Nathalie Marquet semble avoir viré de la maison familiale la fille elle a eu avec JPP, loup pernaute, âge de 18 ans. PS, est-il bien passe? Elle se livre. Sur le plateau 2, Degré touche pas à mon poste, plus ou moins lundi 5 avril 2021, elle, ancienne reine de Beauté, accepte de parler de sa vie privée. Elle a notamment révélé la raison qui, elle, a poussé à mettre à la porte sa propre fille. Degré tu es chez moi, plus ou moins si recamment Pierre-Jean Chalencon avait fait parler de lui à cause des diners clandestins. Il organise au Palais Vivienne, Hélène, et néanmoins pas le seul à faire la fête sans se soucier des règles sanitaires. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet lors de la première de car de John Lasseté à Paris, France, le 11 mai 2006. Photo, j'ai tiré image dans le lot, on peut entre autres citer le nom de loup pernaute. Rappelons-le, elle, adolescente et la fille de la figure emblématique du JT de TF1, Jean-Pierre Pernaute, avec elle, ex-Miss France, Nathalie Marquet. Quant à cette dernière, elle respecte scrupuleusement les règles dictées par le gouvernement. Si bien que la quinquagénaire a dû mettre à la porte sa fille qui, Degré rentrait tous les soirs à 2h du matin, plus ou moins. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet. Photo, j'ai dit image, Degré. Je lui ai dit, Marc ici, tu es chez moi, que tu aies 18 ans ou pas. Je suis désolé, on est en plein Covid. Donc là maintenant, si tu n'es pas d'accord, plus ou moins a-t-elle dit sur le plateau 2, Degré TPMP, plus ou moins lundi 5 avril 2021. Elle, a plus revu depuis pourquoi en arriver là. En réalité, celle qui a été élue Miss France 1987, inquiète énormément pour son mari qui est âgé de 71 ans. Cela dit, cet avertissement n'a pas dissuadé Lou. Degré J, et 18 ans, je fais ce que je veux, plus ou moins a-t-elle retorqué à sa mère. Sa mère lui a alors d'idée, aller chez une copine ou de trouver un appartement. En tout cas, elles ne se sont plus revues depuis. Degré J, et dû me séparer de ma fille et qu'a fait des jours que je ne l'ai pas vue, plus ou moins à vous Nathalie Marquet. Des rassemblements à Lille et à Lyon loup pernautaine, et pas la seule à se rebeller. En réalité, la jeunesse francaise tout entière a décidé de ne pas respecter les mesures sanitaires, en organisant des rassemblements et de faire la fête. Ils ont provoqué la colère des policiers.